Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui de si bon matin. Je vais partager avec vous le message de votre vendredi que vous avez à recevoir. Donc, on va aller voir au niveau de la santé, on va aller zoomer au niveau de la santé, du bien-être, de l'habitat d'une personne. On va voir tout ce que je peux partager avec vous. Santé, bien-être de votre habitat et on va voir tout ce que je peux partager. Je débute par un message carte. Voilà. Et après, je partage mon écrit. Donc, bien sûr, c'est du général. Vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler. C'est normal. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Présence, participation. Merci, merci, merci. Je prends. Et mon écrit. L'écrit que je vais partager. Mon écrit du jour. Vous avez à recevoir aujourd'hui. Et on débute. C'est parti. Merci pour tous vos pouces. Alors là, ici, je peux avoir. Là, je peux avoir une personne. On a une fatigue, on a du stress. Une fatigue, du stress professionnel. Peut-être un homme, 30 ans et plus, on est fatigué dans son professionnel. Alors, on peut être à son compte, être indépendant, ou alors avoir un travail, un CDD, plus un CDI. Un CDI, mais je vois, on peut avoir un surmenage, hein, un surmenage professionnel. Et ça se répercute chez cette personne. Voilà, ça a un impact sur la santé et le bien-être de cette personne, de cet homme, 30 ans et plus. Et aussi, je vois que ça glace l'harmonie entre les liens de une ou plusieurs personnes dans son foyer aussi. Donc dans son habitat. Mais il va y avoir un équilibre. Je peux voir pour moi un changement professionnel, un changement de lieu professionnel. Peut-être que cette personne, c'est ce qu'elle désire et je vois qu'il va y avoir une ré cette personne va changer de lieu professionnel. En tout cas, il y a, voilà, quand cette personne va changer de lieu, tout va s'améliorer en cette personne, dans les liens qui l'entourent chez lui, mais aussi dans son professionnel. Je vois un équilibre total, vraiment un équilibre, un très très bel équilibre. De l'harmonie, de l'épanouissement, de l'apaisement, du calme qui va revenir. Là, je peux avoir, on perd un épanouissement professionnel et après, ça en découle aussi, on perd aussi, bah voilà, on perd aussi l'envie chez soi, l'épanouissement aussi, ça bloque beaucoup, hein. Cette personne se sent peut-être oppressée, verrouillée, on peut faire de l'angoisse, du stress, de l'oppression, ça se répercute. Donc là, il va y avoir une grosse transformation de la situation. Ouais, il y a quelque chose qui va se libérer. Donc moi, c'est pour moi. Alors, j'ai pas de changement, j'ai pas de changement de lieu de vie. Hein. On reste dans son chez-soi, on y est bien dans son chez-soi. C'est juste là, ce qui met pas bien cette personne. C'est pas son lieu, c'est son. Je vois la santé, le bien-être de son habitat, c'est parfait. Tout est parfait. C'est juste là. Là, il y a quelque chose. Il peut y avoir une pression aussi professionnelle. Il y a quelque chose qui va se libérer pour que vous puissiez tourner la page, ouais, sur cette situation professionnelle. Ça peut être lié aussi à des collègues, hein, ou plusieurs collègues pour moi. Et vous allez réussir quelque chose, fêter quelque chose. Vous pouvez avoir une fille de 0 à 17 ans. Patientez, vous allez réussir. Sur un temps limité, vous allez renaître de la situation. Donc, il va y avoir une belle, belle opportunité professionnelle.
qui va s'ouvrir à vous, qui va vous apporter de l'harmonie, de l'équilibre, et tout va se réchauffer en vous. Ça va aussi réchauffer les liens. Là, j'ai vu une petite fille, une fille avec votre fille, mais aussi ça peut être voilà, avec votre époux, votre épouse. Voilà, il y a quelque chose d'énorme qui va se transformer sur la situation. Ça va pas rester comme ça. Oui, il y a une fin. Vous voyez, j'ai la confirmation, il y a une fin. C'est une fin de situation oppressante, stressante. Mais là, en fait, je vois pas que au sein même en fait, des collègues, du professionnel, quelque chose pourra changer. Il n'y aura pas de transformation à ce niveau-là. Donc, s'il n'y a pas de transformation, voilà, c'est cette personne qui va devoir décider de mettre fin. Voilà, de changer de lieu de travail. Là, il n'y aura pas de... Et puis, peut-être que c'est cette personne aussi qui ne veut pas, ou voilà, il y a quelque chose... Je sais pas, il y a quelque chose. Je pense que cette personne veut mettre aussi une fin. C'est ça aussi. Hein. Voilà. Pour moi. En espérant que cela vous parle. Allez! Alors, je peux avoir un habitat. Un habitat qui ne va plus être bon pour une personne. Alors, je vois peut-être un habitat qui ne va plus être bon pour vous. Je vois que vous pouvez ressentir du stress. Plus avoir d'envie aussi dans cet habitat. Je vois que vous avez vraiment besoin d'un énorme changement de vie. J'ai un déblocage sur votre situation, je peux avoir un déblocage. Je vois un lieu. Vous allez partir dans un lieu beaucoup plus plaisant pour vous. Qui ne va plus vous démoraliser. Là, vous pouvez être dans un lieu qui vous démoralise. Qui vous stresse, qui vous démoralise. C'est plus plaisant pour vous et vous allez aller dans tout l'inverse. Dans quelque chose qui n'est pas démoralisant pour vous, qui vous donne le moral. Quelque chose de beaucoup plus plaisant, de pas stressant. Je vois que tout va se débloquer sur votre situation liée au financement pour le changement et pour avoir aussi l'opportunité, une très belle opportunité dans le changement. Opportunité et aussi pour le financement. Je vois que vous allez quitter ce lieu hein, qui n'est plus bon pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. C'est plus bon pour vous. C'est trop démoralisant, trop stressant. Et vous allez aller dans un lieu bien plus plaisant. Plus plaisant, qui est bon pour votre morale, pour votre santé, pour votre bien-être. Pour votre physique, pour votre psychologique aussi. Voilà, voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'est un réel bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des pouces,
à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire, à mettre des petits commentaires si vous désirez le faire sous la vidéo. J'adore vous lire. Je vous souhaite un merveilleux vendredi. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. À bientôt.